Hey, pas de fuite, pas de fuite. De côté que je t'avais prévenu. Voilà, pas de fuite. Qu'est-ce que tu ne vas pas appeler le réseau là? Mes veines blanches, big up, big up, big up. Donc, vous les followers, essayez un peu d'être réfléchis. Pensez souvent aussi là où vous trouvez des abris. Ok? Posez-vous déjà des questions. Est-ce que ces gens-là ont des cœurs solides? Est-ce que ces gens-là ne vont pas vous trahir demain? Parce que la façon que vous vagouillez aussi, c'est comme ça, on vous analyse aussi. OK? On va te voir aujourd'hui. Oh, yé, oh, yé, oh, yé, oh, yé. La personne te déçoit. Tu vas là-bas, là, oh, yé, oh, yé. La personne te déçoit. À un moment donné, on va dire que toi-même, tu n'as pas la tête pour réfléchir. Tu comprends rien. Il y en a beaucoup qui viennent là, qui parlent des vies des gens. OK? Ils sont invisibles. Hein? Invisibles. Et quand je dis, beaucoup qui sont là-bas, là, sont des personnes dépressives. Ces femmes-là, non, c'est une vérité. Un combat ne peut pas se mener que, oui, des pervers. Des pervers. Moi, j'ai demandé à ces femmes-là que oui, quittez un peu dans cette bête écologie-là. Quittez un peu dans cette bête écologie-là. Il y a des pervers. Hein? Il y a des pervers là sur la toile. N'est-ce pas? Qui font souffrir nos sœurs. Et nos sœurs-là, qui subissent, n'ont pas le courage de sortir et venir dire que oui, tel m'a fait ceci. Malheureusement, et heureusement pour, malheureusement pour ces pervers-là, et heureusement pour nous, on finit toujours par... Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand, lorsqu'on a une langue qui pend jusqu'aux ongles de ses orteils, obligé, à un moment donné, tu vas en dem. Quand vous voyez, voici les patriotes. Voici un patriote. Il s'appelle Osmarius. Regardez celui-ci. Il a 35 ans. Hein, avec une calvitie ensoleillée et cornée. Vous-même regardez quelqu'un qui traite les autres de sales, de ceci. Il est ici, en fait, hein, en fait, avec un maillot en polystère, avec un corps gras. Voilà, l'huile coule sur la calvitie. Comme dans, oui, l'eau qui coule sur, dans un ruisseau. Vous-même, quand vous voyez les gens ici comme ça, là, vous les femmes, vous vous battez, vous vous insultez, alors qu'il y a des pervers, des pervers. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vois là entre vous les femmes, beau, 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 beau. Celle d'un tuilan. Toi, Thérèse Chamaleu, Ntuilang. C'est normal ça, là. Si tu étais vraiment contenu là, c'est toi qui peux publier une gare nue. J'ai fait allusion à toi l'autre jour que tu connais Tatiana où? Là où tu viens de te mêler, là. Et pour toi, n'est jamais petit. Ntuilang, moi, était à dire, de un. Les gens vont peut-être croire que oui, on dit que oui, le renfort de Kamamougou n'a pas besoin de renfort et vous savez très bien de Kamamougou. J'y que tout seul, rien à foutre. Votre moribond de Paris avait dit que hein, c'est de Kamamougou le Tahitien.
Il est celui qui est capable de supporter toute insulte, tout. Ok? Sans perdre le sourire. Toi, en tuant, quand toi tu publies, c'est normal, ça là, tu dis que dernièrement, ta photo est sortie avec la tête comme un singe, la tête d'un singe boucané. N'est-ce pas? Beaucoup qui te suivaient croient peut-être que tu étais belle, que contenait Nas. N'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que tu étais venu dire? Que c'est pas ça. Contenait Nas veut dire, ça englobe cette femme-là. Ok? Oui, ça dit cette femme-là qui ne peut pas publier la nudité d'une autre femme. C'est quoi? Tu veux toujours confirmer les 500 euros là que tu avais envoyé à la mendiante? Tu ne vois pas que toi-même, la plupart de ces vieux pots là hein, sont en train de te faire du... Tu bloques tous les jours, tu bloques tous les jours. Tu te bousilles le gosier tous les jours. C'est normal ça là? Tu dis que tu es contenu Nas. Cette femme-là, hein, qui est en capacité de réfléchir. Oui, oui, tu prends, dis-moi, cette femme-là t'a fait quoi? Tu la connais où? Pour prendre sa nudité. C'est vous qui dites, oui, oui, c'est vous. Je vous ai donné un travail. Ok? Abat les pervers. Mais toi-même, ce que tu fais là, tu te masturbes avec. Ah oui? Tu fais pareil comme les épinglos et panda. Je dis ça au hein? Et je vais te dire, il te reste à malheur une tuile. Tu comprends? Bipez-moi Dorcas ici là. Bipez-moi. Je vais biper Dorcas parce que ton histoire, que tu dis que oui, tu m'as donné 12 000 étoiles. Ok? N'oublie pas que Dorcas était sorti pour cette histoire-là. Et toi, tu étais sorti. Parce que tu avais demandé, tu étais parti, et comment on t'avait remboursé ça? Hein, tu comprends un peu? Voilà. Donc, comme toi, tu prends le temps à mentir sur tes trucs. Tu comprends? Voilà. Moi, je suis pas là-dedans. À chaque fois que tu vas dire que oui, tu m'as donné quelque chose, tu comprends? Bipez Dorcas ici. Comme vous oubliez toujours, tu ignores que Dorcas, même quand on avait, soi-disant, on avait bloqué ta carte par rapport à ça, je t'avais mis propre, je t'avais mis propre que dégage. On ne m'achète pas ce que tu fais au Ducambino là, au compresseur, on ne fait pas ça. Tu n'as même pas honte. Ta tête est sortie ici là comme la tête d'un singe boucané. Hein? Moi-même si comme ça là, j'ai framponné les gens pour toi. Même les films là-bas, la Lidl, j'ai framponné les gens pour toi. Tandis qu'on dit que moi, de comment l'homme frappe les femmes, toi, en même temps, tu frappes les femmes. Tu as vu, tu as insulté ma mère, ainsi de suite. Wow, 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 wow. Donc, allez vous soigner. Je pouvais encore comprendre si c'est Mandiata qui le faisait. Toi, tu prends ça, tu mets sur ta page. Hein? Est-ce que toi, Ntuila, tu as le corps de Tatiana, le corps que tu vois là? Hein? Le corps que tu vois là, c'est pareil. Hein? Vous vous ressemblez. Hein? Non, une tuile, est-ce que le corps de Tatiana Corneille que tu vois là, ça ressemble à ton corps? Rien qu'avec la tête, rien qu'avec les images que nous avons déjà vues ici, même de Lidl, vu de dos, hein? Quand on voit tes cuisses là, ça ressemble à Tatiana. Donc au calga. Au calga. Ce sont ces femmes-là qui vont te bouffer. Cette petite fille-là, tu vas voir.
Parce que vous êtes toujours là, tellement vous êtes dérangé dans la tête. Vous faites chaque fois, chaque temps, quelque chose de son contraire. Tu viens là, oui, je suis ceci, je suis cela, hein? Tu prends la nudité d'une femme, tu publies. Tu vois très bien que le mec, il ne sait pas si elle est en train de se plaindre. Apparemment, elle aussi, elle a essayé de prendre une vidéo. Tu prends, tu mets ça. Et ça te fait des milliers de partages. Des partages et des réactions. Pour faire plaisir à qui? Non. Je vais te dire une vérité, un tuilant. Tu comprends? Moi, je vais te dire une vérité. Je ne sais pas, ça a refusé tout à l'heure. Si. Tu m'as dit la dernière fois, Marie Lancôme. Hein? Il faut arrêter ça. J'ai toujours dit, avant, on disait que oui, c'est l'homme qui boit avec la femme. Mais aujourd'hui, au continent, au Cameroun, c'est la femme qui finit avec la femme. Là où il faut être solidaire entre vous, vous voyez, après, vous venez me reprocher de quoi? Hein? Vous venez me reprocher que je vous framponne, alors que je pense chez vous, vous vous framponnez entre vous. Tu es là, tu es au noir, avec des doigts brisés, des cuisses collées, des mandibules comme un vieux phare passé. T'as même pas honte. T'as même pas honte. Normalement, tu devais déjà te racheter depuis. Tu allais voir. Mais tu es là, tu continues. J'ai fait la seule finale ici. Tu as pris ça là une fois. Tu abandonnes ça là aux petites filles là. Et tu t'es mal vagabondé partout. C'est pas possible. Tu es ici là, toi, un tuilant. Hein? Est-ce que c'est toi qui peux parler aux autres femmes? Tu peux insulter les autres femmes, tu publies une autre femme. C'est normal ça, là. Hein? Toi-même, tu es pervers. Vous mettez ça sur vous, tu mets ça sur ta page, toi, peut-être que oui, tu frappes l'anga, alors que c'est pour mater ça, pour te frotter les doigts dans ta foufoune. De toutes les façons, le corps de Tatiana là, ok, et ton corps, c'est le jour et les ténèbres, n'importe quoi. Tu peux encore dire quoi? Rien que dans le direct là où tu finis avec les pervers là, tu valorises des commandes, tu vas encore dire quoi? Viens encore dire le contraire, les gens vont dire que hein, toi ça ne vaut pas la peine. Et petit à petit, tu vas voir. N'importe quoi. Les abonnés n'avancent pas. Les amis, ça n'avance pas. Tu es bloqué sur place. Cherche à comprendre. Petit à petit, petit. Une fois. Hein? Aujourd'hui, tu fais bonne chose, demain tu viens gâter. Aujourd'hui, tu fais bonne chose, demain tu viens gâter. Tu oses dire que oui, que tu vas finir avec les gens que je soutiens. Qui te connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Hein? Un tuilant, j'ai dit, est-ce que c'est normal? Tu étais venu ici là que conteneur. Oui, c'est des femmes belles, femmes belles. Ta tête est sortie ici comme la tête d'un singe boucané. Tu es venu dire que contenez, vous voulez dire que quoi? Hein? Ça englobe cette femme-là en général. Oui, cette belle femme qui est travailleuse, qui est ceci, qui est cela. Et maintenant, tu viens publier la nudité d'une autre femme. Parce que tu veux confirmer tes 500 euros. Le corps de Tatiana que tu as publié là, avec tes images de leaders là, vues de derrière, les cuisses collées, raides comme tout,
avec ton nid de cliché. Moi, une prière comme ça, là, 26 ans sans aller au pays, le traumatisme de ça. Même ici, hein, les gens qui sont comme toi, ok, qui sont Thomas en con aussi, les femmes là sont comme des gorilles. Quand le fil que vous craillez un peu, hein, quand le fil que vous craillez un peu, qu'est-ce qu'il y a même? Vous venez dire que oui, j'ai fait ceci aux femmes, mais vous-même, tu étais obligé de mettre ça sur ta page. C'est quoi? Pour confirmer les 500 euros, hein, je ne sais pas, compresseur. Je dis ces gens-là. Écoute-moi très bien, Ntuyila. Toi, tu ne connais même pas ces gens-là. Là où tu es toujours là, maman, lisez d'accourou. Elle ne te calcule pas. Quand elle veut gratter la visibilité, elle vient faire semblant. N'importe quoi. Tu es là, je ne sais pas combien de milliards d'habitants aux États-Unis. Il n'y a que toi seul qui porte le babouin, le masque. Ou alors, viens nous dire que oui, tu es malade. Et l'État américain, je ne sais pas combien d'États, hein, bambana, contaminata. Le Covid est fini depuis. La fièvre jaune est finie depuis. La fièvre des narines est finie depuis. Mais toi, hein, Thérèse Tchamale, tu es toujours avec le babouin, hein, comme les chiens. Vous voilà les femmes qui sont capables d'arracher les maris de leurs copines. Tu viens publier ça, tu n'as même pas honte. Dernièrement, tu étais au parc là où tu suivais les allées ancrées là. Hein? Tu manques tes trucs là, tes tongs là, jaunes là comme les couleurs du Cambidou. Hein? Quand le fric te caillissait, il fallait voir ici. Ta peau ici a déjà perdu de philosophie. La qualité de corps que tu caresses même, Thérèse Tchamale, on peut te caresser 45 ans. Auquel tu ne mouilles pas. Tu ne mouilles pas. Le corps humain, l'intérêt du corps humain, là, c'est comme le moteur d'une voiture. Tu es comme un moteur qui ne s'allume plus, qui ne démarre plus. Thérèse Tchamale, il dit, on peut te caresser, te préparer dans un lit. Toute une éternité, hein, tu ne vas pas mouiller. Même avec le lubrifiant, tu ne peux pas mouiller. Parce que tu es trop dur. Tu es dur. C'est pas possible. À chaque fois que je vous donne un travail ici, vous commencez. C'est toujours toi, Thérèse Tchamale. Tu veux que montrer que tu insultes les autres femmes. Je vous ai dit, vous qui êtes au noir là, soyez un peu crédible. Même les gens qui vous mettent les cœurs, ils se foutent de vos gueules. Parce que tu ne peux pas être au noir et venir juger ce qui se niait. C'est pour ça que moi j'ai dit, chez les hommes, je prononce ce que je vois. Les invisibles là, non. Il y a un invisible là qui vient chez du Cambindo, qui dit que oui, du Cambindo, pourquoi vous avez toujours besoin de soutien pour combattre les gens? Hein? Pourquoi tu as besoin? Alors que lui-même il a besoin. Voilà. La vieille peau là, qui a déjà fait le tour de tous les blogueurs. Ok? Pour demander le retour de Komamugu. J'ai déjà dit non, elle continue. Faut voir celle de Thérèse Tchamale. Quand elle était au pays, elle avait les poils au corps comme un gorille. Elle est arrivée ici à nous avec l'épilation de ça. Et il faut donc alors voir. Même avec après épilation,
Il faut aller à Minifem voir les morceaux de porc posés sur un grillage. Les porcs qu'on a mal grattés là. Une peau dure. Aucune finesse. Je ne sais pas si Thérèse Tchabalé peut tourner les reins. Raide comme tout, il faut voir. Elle a d'abord, je ne sais pas. Hein? Ne fais pas que je manque les images là. Ok. Ouais, les pervers qui sont là, que tu dis que tu combats, ils continuent à se balader de gauche à droite. Tu viens publier une femme, non seulement qui a du beurre, que oui, dans un lit, hein, pour la préparer. Ça ne demande pas 30 minutes, elle va mouiller. Hein? Mais toi, c'est pas possible. Le blog ici. Attends, non, Matt, laisse. Tu veux que je te mette le direct là? Ce qu'elle a dit de ma mère, moi je n'insulte pas sa mère ni son enfant. Je sais faire la part des choses, t'inquiète pas. Elle va changer. Voilà une femme au moins que oui, je peux dire qu'elle est quittée ici. Hein? Big up, Lolo vous dépasse. Hein? Vous ne voyez pas que c'est la seule qu'on peut dire que oui, ce qui sort de sa bave là. Hein? Il y a l'inspiration de Dekoma Mougou. Mais regardez, elle incite les autres femmes. Elle publie une femme nue. Elle-même. Les photos qu'on a vues à Lidl là, vues de dos. Mais mon ami, un corps comme ça là, nu. Babala. Faut arrêter ça. Hein? Marc, est-ce que c'est normal ça là? Ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Ce n'est pas l'insulte? Elle, pourquoi elle se mêle? Tu crois que c'est Mangiata? Fais ça là, je peux la calculer, la framponner, parce qu'elle a publié Tatiana. Mais elle! Dernièrement, sa tête était sortie ici. Hein? La tête comme la tête d'un singe boucané. Hein? Elle est venue dire que après, il y a beaucoup, je ne te manque pas un mat, il y a beaucoup qui sont venus dire qu'ils sont déçus, que oui, oh, elle croyait que oui, elle était belle. Hein? Après, elle est venue faire un discours que non, contenait la veut dire que oui, cette femme gentille, cette femme qui ne peut pas publier une autre femme nue, cette femme la travailleuse, ça dit tout, oui. Hein? Matt, tu n'as pas vu comment j'ai framponné Tatiana Cornet l'autre jour? Pourquoi? Parce qu'elle est partie monter chez un petit qui va encore finir avec. D'ailleurs, l'autre jour, s'il n'a même pas encore fini avec Tatiana. Matt va voir, hein. Ça veut dire, sur la page, une page, qui a su c'est combien d'abonnés, hein, des minables abonnés, mais va voir, ça a tourné plus là-bas, là, parce que toutes les haineuses, là, partent là-bas, là, boum, likez, commentez, insultez. Vous voyez comment on utilise? Oui, on dit qu'on utilise des gens. Regardez par exemple chez elle, chez Ntuilan, la publication de Tatiana là. Allez voir le nombre de partages. Mais tu vas voir dans la même image partout ailleurs, hein, il n'y aura pas ça. Mais comme c'est un bloc, quand il vous dit, les haineuses là, ok, choisis toujours des panels pour venir
les gens, les mendiantes là, c'est pas possible. On dit que de comment vous faites ceci aux femmes, de comment vous faites ceci aux femmes. Hein? Vous-même, vous les femmes, vous vous finissez entre vous, je parle ça tous les jours. Hein? Que quelqu'un tente, une gamme tente encore des vérités que oui, de comment vous. Hein? Mets-toi dans. C'est pas possible. Big up, big up, big up, Matt. Big up, Marshall. Ça va? T'es comment? Non, mais Matt, il y a des qui parfois, tu comprends? C'est comme par exemple. Bonsoir, attends-moi, je dis d'abord bonsoir. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. J'espère que vous allez bien et autres. Bon, en fait, parce que aussi, je te demandais de ne pas de parler à Thérèse, de ne pas franconner Thérèse. C'était pour te dire que, pour que Thérèse comprenne, tu dois lui parler. Je sais tout le sale que Thérèse est en train de faire, ce qu'elle a fait sur la maman et autres. Je sais tout ça. Je sais tout ça. Si tu la franconnes, tu l'insultes, elle va comprendre comment. Parce que si Thérèse, l'acte... Non, elle comprend. Matt. Oui. Elle est, ça dit, Thérèse est la seule qui sort toutes les inspirations de Komamou. Tu comprends? Dans tout ce qui est. Ça voudrait dire qu'elle comprend très bien. Elle comprend, mais je dis très bien. Mais depuis, dernièrement, est-ce que c'est la première fois que je parle? Hein, je parle. Il y a des fois, j'ai parlé doucement que, attends, tu ne vois pas que, tu vois, quand il y avait le combat avec Dorcas, c'était calmé. Tu comprends? J'ai parlé doucement ici. J'ai dit, bon, voilà. Toi, oui, tu travailles. Tu es même celle-là qui peut me sensibiliser. Oui, je ne sais pas. Hein? Mais ce sont elles. Parce qu'elle dit que oui, moi, j'ai fait ceci aussi aux femmes. Tu comprends, non? Mais elle-même, elle fait quoi? Jusqu'à me donner les ultimatums que les choses que je soutiens ici en France. Hein? Pato, moi je tiens à dire à Thérèse que Thérèse, l'acte que tu as posé aujourd'hui, c'est pas possible. L'acte que tu as posé aujourd'hui, c'est qui est-ce que tu vas payer pour cet acte-là? Moi, c'est pas que tu vas faire la prison, on va te porter plainte, mais tu vas payer pour cet acte-là. Tôt ou tard, tu es une femme. Tatiana est une femme, c'est la mère de l'humanité. Donc tu ne peux pas te permettre de mettre la nudité d'une femme dehors. Deux femmes sont en train de discuter un bazizi. Au lieu de laisser les deux femmes se bagarrer là-bas, toi, tu viens te mettre au milieu et tu vas porter cette charge-là. Et il y a une fille dans la maison. Tu as une fille. Comment s'appelle sa fille, la pasteur? Zoé. C'est Zoé, non? Zoé. Tu regardes la petite Zoé. Laisse-moi jouer. Laisse-moi parler. Pasteur, laisse-moi parler. Je veux parler de Zoé. Thérèse a mis la liberté d'une femme dehors. Elle a une fille. Il faut qu'on lui dise qu'elle regarde Zoé avant de faire l'acte qu'elle a fait, de poser l'acte là. Je ne suis pas en train d'insulter Zoé. Je lui dis juste que. Non, je ne dis pas que tu insultes. Oui, mais ne dis pas qu'on ne parle pas de Zoé. Non, c'est pas. Parce que j'ai toujours dit que moi, Matt, moi, je suis celui, s'il fallait changer cette loi-là, que quand quelqu'un, par exemple, si moi j'ai fait mal aux gens, ok, que le mal là, que j'ai jugé mon mal par mes enfants. Hein, tu comprends? C'est comme par exemple, ici en France, la loi là maintenant, que avant, quand un parent mourait, tu comprends, non? On prenait on réclamait comment le remboursement aux enfants. Tu vois, on avait arrêté ça. Moi, quelqu'un commet sa faute, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, tu puges ta faute avant de partir. Tu comprends? Voilà. Les histoires des enfants là, c'est pour ça qu'ils disaient que laisse-moi me souhaiter. Parfois, les enfants sont innocents, Matt. Tu comprends? Oui, Passo, ne change pas. Ne change pas ce que tu as dit. Non, je comprends. Tu dis que les enfants sont innocents.
Les enfants sont innocents. Mais même dans la Bible, même dans la Bible, on parle des péchés de nos parents. On Oui, parle des péchés de nos... Voilà. Donc, moi, je vais parler ainsi et lui dire qu'elle regarde sa fille. Comme dans voilà. la Bible. Il faut qu'elle regarde sa fille. Quand elle va regarder sa fille et elle va comprendre l'acte qu'elle a posé. Moi, je lui dis ça. Je dis à Thérèse qu'elle regarde sa fille. Je n'insulte pas sa fille. Que Thérèse regarde sa fille et qu'elle-même, elle se dise que qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Et qu'elle ne sorte pas pour venir dire qu'on ne doit pas prononcer sa fille parce qu'elle a mis la nudité d'une femme dehors. Et la femme qu'elle a, elle a mis sa nudité dehors, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Même si tu veux faire les bagarres pour quelqu'un, il y a des limites. Il y a des limites. Tu ne peux pas mener une bagarre comme celle-là. Tu es ce jour-ci en train de dire que tu combats un pervers narcissique. Mais tu poses les actes des pervers parce que c'est le harcèlement que vous faites à Tatiana. C'est que du harcèlement. Mettre sa nudité dehors, c'est non seulement vous êtes en train de la harceler, et le harcèlement et des menaces. Le harcèlement et des menaces. Pour moi, Tatiana, c'est un bon. Ne te décourage pas. Mais si il y a lieu de faire quelque chose, tu fais. Moi, je suis pas là pour te conseiller d'aller qu'il aime quelqu'un. Je vais juste te dire de tenir bon. Si tu es un bon, ne te décourage pas. Tu as fait, je sais pas combien d'enfants tu as eu, mais tu as un beau corps pour le nombre d'enfants que tu as eu. J'ai dit bien, tu as un beau corps. Mais moi, j'ai vu Tatiana. Ils sont incapables de mettre leur corps dehors. Ils sont incapables. J'ai vu Tatiana normal. Mag, j'ai vu Tatiana. Si tu regardes même, il y a mes stories quand j'étais au thé, il y a l'image de Tatiana de lui derrière. Hein, Mag. C'est pour ça que je me suis énervé quand que Tatiana donc joue. Mais tu peux monter quoi où? Moi-même, hein? J'étais énervé qu'elle soit allée chez cette dame. Ce garçon, hein? J'étais très énervé. J'étais très énervé qu'elle soit allée chez ce garçon que tout le monde dit ici, là, il tourne la main. Oh, j'ai vu, il m'a menacé. Il m'a menacé que si je m'amuse, il va. J'ai lui ai dit que je n'ai pas peur de cette clash. Je n'ai même pas peur de cette clash. Je connais où, ma... hein? Il te connaît où, pour où il va venir. Je n'ai pas peur de ces clashs. Tout ce que tu dis sur les gens, c'est que du mensonge. Mais le problème, c'est que, Pasto, depuis qu'il insulte comme ça, on n'est pas encore descendu sur lui, vrai, vrai. Je ne mens pas. Les gens ne sont pas encore descendus sur lui, vrai, vrai. Parce que tu ne peux pas insulter les parents des gens, rentrer dans les vies des gens et dire tout et n'importe quoi. Et on te laisse. Il parle moi, de pas... tout, même la sorcellerie, tout. Comment oui, on tue, comment chose. On tue les gens. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on ne doit pas le laisser. On ne doit pas le laisser, c'est ce qu'il fait là. Et je dis à certaines personnes, je vais dire à certaines personnes, bien fait pour vous, parce que sur la toile, quand on est en train de dire qu'une personne doit être isolée, vous allez lui donner la force, parce que vous voulez l'aider à combattre vos ennemis. Et le problème, c'est qu'avec lui, quand tu t'associes avec lui aujourd'hui il est avec toi. Demain, il ne tourne pas. Il est déjà en train de t'insulter. Donc, il n'est pas fiable. Tu ne peux pas le prendre comme allié. Tu ne peux pas le prendre comme allié. Mais vous êtes allé le prendre comme allié. Il vous cramponne déjà. C'est comme ça. Tatiana, moi, j'étais très déçu de la voir chez ce garçon. Je me suis demandé comment elle a fait sur tout le monde, sur la toile. Elle n'a même pas besoin. Tatiana a... Tatiana a beaucoup de followers sur sa page. Ben oui. Elle a une page, elle a un mur. Tatiana a placé sa caméra. Si elle avait à dire des choses, elle plaçait sa caméra sur son mur. Si elle ne voulait même pas qu'on voit son visage, elle mettait ce filtre qu'elle met d'habitude. Et elle s'assoit, elle parle en Goussa. Elle parle en Goussa. Et je vais m'adresser en Goussa. Mon entière, si je vois ma photo sur ton mur demain, ou sur vos murs là, j'ai dit, je fais le saga sagat avec vous, je fais la même chose que vous. J'ai dit que je vais vous écraser pareil. Je mets vos photos, même pour vos familles. Parce que comme vous aimez caricaturer les gens. J'ai dit, Ngossa, je te parle ici aujourd'hui. Une femme de ton acabit ne peut pas se permettre de discuter un banzizi avec une autre femme. Et de quelle manière? Si tu as tout perdu, parce que ce que
Moi, j'ai écouté aujourd'hui. On a l'impression que ton même gars que tu discutes là, il est déjà quelque part. Vas l'acheter jusqu'à quand? Tu vas sortir l'argent pour un mec jusqu'à quand? Pour un mec que tu vas sortir de l'argent et tu vas détruire une autre femme pour un mec. Pourquoi? De telle façon, Tu moi vas je vous prendre avais ses dit, péchés pour quoi? Tu vas prendre ses péchés pour quoi, Moussa? Tu vas je prendre vous ses avais péchés dit, pour quoi? c'est une union de pacotille. Voilà. Et puis, je vais m'adresser aux femmes étant qui te suivent là. C'est votre sœur, hein, qu'on a affiché sa nudité. Ne venez plus nous parler de vos histoires de tribus à deux balles. Il dit bien, c'est votre sœur. Vous encouragez quelqu'un qui n'est pas de votre tribu mettre la nudité de votre sœur. Moi, il vous parle en termes de tribu parce que vous aimez parler de tribu. Je vais vous Voilà. parler de tribu. Je vais vous parler de tribu. Tatiana est étonnée. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes des étonnés, des Wondo, des machins. Vous êtes dans sa team. Vous l'encouragez. On a mis la nudité de votre sœur dehors. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes là-bas en commentaire. Hein? J'ai vu vos commentaires. J'ai vu vos commentaires. Vous laissez, non? Vous laissez. C'était une autre personne. Vous serez déjà sorti et monté au créneau. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Votre propre sœur, vous cherchez à la battre. Votre propre sœur, vous cherchez à la battre. Et vous aidez quelqu'un à la battre. Pourquoi? Pour le banzizi. Quel banzizi même? Hein? Un homme qui ne travaille pas. Un homme qui ne travaille pas. Vous luttez pour un homme qui ne travaille pas. Un homme qui ne peut rien vous donner. Oh, vraiment. Si ce n'est que la tomara, dans quelques années, vous n'aurez même plus besoin de la tomara. Je vous dis ça. Franchement, c'est décevant. Des femmes comme vous. Des femmes. Et puis, aimez-vous. S'il y a même les hommes dans cette team-là. S'il y a même les hommes dans cette team-là. Oui. Le rat qui est aux États-Unis, là. Tu vois pas qu'on a mis la nudité d'une femme dehors. Comme tu es un pervers, ça ne peut rien te dire. Ça ne peut rien te dire. Tu es un pervers. Tu as dit que je ne suis plus à l'église de Décombe, que toi tu m'as chassé à l'église de Décombe. Toi tu as même d'abord. Il souffre tellement. Il dit qu'il souffre, je ne sais pas comment il souffre. Il est parti. On me dit qu'il est parti prendre encore Marie-Valérie. Voilà. Alors que il est en train de dire chez du cabinet qu'il n'a pas besoin d'allier pour combattre quelqu'un. Hein? Marie-Valérie a encore venu chier hier nuit. J'ai fini avec la tout de suite. Moi, je dis que la vérité, hein? Rien à Mais foutre. passe attends, je vais parler à Marie-Valérie après. Donc, Thierry, là, il a une autre femme. Donc, on met la nudité de Tatiana dehors comme ça. La Tatiana meurt parce que Thierry a une autre femme à côté. Lyon. Lyon seulement. Lyon seulement. Lyon seulement. Donc, ma fille, tu as ramassé les malheurs comme ça, là, parce qu'une femme, elle est désespérée. L'homme est parti, il est chez une autre, mais elle a trouvé plutôt la plus faible pour venir mettre. Donc l'autre là, elle ne peut pas mettre sa nudité. Ou bien l'homme là n'a pas encore la nudité de l'autre parce que, nous disons-nous les vérités, c'est ce mec qui a donné la vidéo de Tatiana à Angosa. Parce que c'est lui qui est sur le lit. Et Tatiana a dit, je te filme aussi, ne me filme pas. Et elle l'a filmé. Tatiana, sors-nous les vidéos de ce gars. Tu as dit que tu avais les vidéos là. Sors-les aussi. Sors les vidéos. Il ne peut pas s'en sortir comme ça là. Sors les vidéos de ce gars, Tatiana. Merde. Ça me lève jusqu'à. J'aurais déjà balancé ça depuis. J'aurais déjà balancé les vidéos du gars là depuis. Tu vas donner les vidéos à la rivale? Mon frère, c'est les 12 millions là que tu cherches comme ça. Vraiment, la honte de ça, ça me fait honte hein, pour être des Camerounais et vivre ce genre de choses. Une femme qui peut publier une autre femme parce que l'homme, à cause du banzizi, Et en plus, l'homme
Là n'est même pas. Il est même chez une autre femme, il n'est même pas chez celle-là. Ah, ça fait mal. Hein. Ma Tatiana, pardon, sors les vidéos de Thierry. Thierry, je sais que tu es là parce qu'on a dit que tu as plein de faux profils. Si on attrape Tatiana, on va demander à Tatiana de donner tes vidéos. Elle a dit que tu as une tête, une petite tête comme ça là. Elle a dit ça. Pastor, Tatiana doit seulement sortir ça. Kikine doit sortir ici. Je te dis que les histoires des petites quéquettes dans la magie. Tatiana a dit que tu veux même balancer la petite quéquette. Mais tu sais aussi que, tu sais aussi que les gens avaient des gros ventres ont des. Ah oui, hein. Ont des petits quéquettes. Parce que le ventre prend tout. Marie. Le ventre prend tout. Ouais. Seigneur. Non. C'est pour la petite quelqu'un là que vous voulez tuer, Tatiana. Juste aller afficher sa nudité. Yeah. Je te dis que. Vous pouvez faire ça. Vous n'avez même pas honte. Ya. Yeah. Goussa. Quand tu fais ça. Ta famille. Parce que tu es chez ta famille au Cameroun, hein, ton grand frère. Ou c'est ton petit frère, c'est ton grand frère. Tu es dans ta famille. Tu es dans ta famille. La femme de ton frère est petite. La femme de ton frère est petite. La femme de ton frère est petite. Et elle voit comment tu es en train de publier sa soeur petite. Hein? Elles sont là. Quand, comme Tatiana a dit que si elle t'attrape, elle va te taper. Et ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire. Ils sont au Cameroun, hein. Ils ne sont pas en France. Ils sont au Cameroun, ils ne sont pas en France. Et je te dis que l'acte que tu as posé, une vraie mangando, peut te faire du mal, hein. Moi, je te dis ça, une vraie mangando peut te faire du mal. C'est un vœu, hein. C'est un vœu, elle va te faire du mal. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. À ton âge, je pense que tu as déjà 50 ans. Comme vous êtes là tous les jours, vous avez 42 ans, 42 ans, vous ne vieillissez pas là. Je pense que tu as déjà 50 ans passé, révolu. Ce n'est pas ce genre de choses que tu devrais poser comme acte. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ne devrais pas, vraiment. Tu ne devrais pas. C'est honteux. Il y a des femmes qui disent qu'elles sont dignes dans ton équipe. Elles devraient dénoncer ça. Elles devraient sortir et dénoncer cet acte. Mais Thérèse, sache que ça va caler sur toi. C'est toi qui as pris le courage et mettre sur ta page. Mais c'est pour ça qu'il y a eu une code de réaction. Elle n'a pas eu le courage. Elle n'a pas eu le courage, Thérèse. Tu ne vois pas? Elle n'a pas eu le courage et elle t'a laissé faire du sale. Elle t'a laissé faire du sale. Comme tu dis que tu es une guindée, toi tu peux. Parce que tu es dans le monde, tu vas insulter tout le monde. Est-ce que Thérèse, on t'a déjà dit que les insultes ont déjà tué qui? Les insultes ont déjà tué qui, Thérèse? Hein? Mais mon ami, regardez, on a suspendu mon compte. Attends, nous avons suspendu votre compte plus que 180 jours pour faire appel. Sinon, nous... Parce que c'est les mêmes gens qui ont bloqué mon compte là. C'est ce que j'ai eu. C'est les mêmes gens. Je t'ai dit, il ne fallait pas gérer la guerre qui était tout à l'heure dans ton compte, dans ton truc. Parce que ces gens-là, c'est comme ça qu'ils comprennent les comptes. Ils envoient même l'argent au Cameroun, on frappe ton compte. J'ai eu ça. C'est pourquoi tous mes comptes sont Ah, ils disent enregistrer une vidéo de vous-même. Voilà, pour nous assurer que vous êtes une vraie personne. Nous devons vous demander d'enregistrer un selfie vidéo. Nous Vas-y, mais ils vont quand même suspendre ton compte. Tu vas voir. Vas-y, ils m'ont fait ça. Ils vont te demander les informations, la pièce d'identité et autres.
Ce sont les gens qui sont à la fenêtre que tu cramponnais là. Attends, nous avons besoin d'une coûte vidéo de vous. Ben, de vous qui tournez la tête dans de quoi À gauche, différentes directions. en fait, oui, en fait, tu tournes légèrement à gauche et légèrement à droite. Suis seulement les consignes. Suis seulement ce qu'ils te demandent. Waka. Tu peux avoir la chance que toi tu récupères parce que pour toi c'est un compte. Ce n'est pas. Pour toi c'est une page. Voilà. Attends, tenez votre téléphone au niveau des yeux. Enlève la Sinon, casquette si tu as la casquette. attends, votre vidéo sera stoppée de manière stabilisée. Ouais, ok. Va doucement, ça va. Ok, parfait. Placez votre visage. Parfait. À gauche. Parfait. À droite. Parfait. Tournez lentement la tête à droite. Parfait. Tournez lentement la tête à gauche. Voilà. Envoyez vos selfies. Voilà, je vais envoyer mon selfie. Confirmation d'identité en cours. Terminé. De comme vous avez fait un appel, attends, de comme vous avez fait un appel le 12 octobre, revenez d'ici plus tard voir le résultat. C'est quoi ça? Laisse d'abord, oui, laisse d'abord. Comme tu as fait, tu attends. Peut-être qu'ils vont te dire que tu attends 190 jours, 180 jours, qu'ils donnent souvent là. Ou bien ils vont te valider. Parce que j'étais en train de partager. Ils t'avaient déjà cramponné, Pasto. Tu as oublié? On avait déjà cramponné ton compte. On a déjà cramponné son compte. Voilà, on dit votre compte. Ok. Votre compte n'est pas visible sur Facebook et vous ne voulez pas l'utiliser. Laisse d'abord, laisse d'abord, laisse d'abord. Laisse d'abord, Pasteur, laisse pas d'abord. Tu sais, c'est comme ça que Pilule Gratuite était parti, hein. Mais voilà, Marc Pondy qui est parti, Mula qui est parti, pareil, hein? J'essaie, mais chaque jour, c'est la même chose. On te dit, tu as 180 poussières de jour à faire, après, donc je laisse ça là-bas. Je peux appeler tout, mais non. Et attends. Donc, bon, voilà, c'est fini le plus. Vas-y, Matt. Oui. Le compte là est bloqué. Parce que, Laisse d'abord, tu vas revenir après. il y a aussi, n'oublie pas qu'il y en a qui ont créé des comptes avec des commandes. Oui, mais toi, tu as justifié de ton identité. C'est déjà bon. Mais je t'ai dit que c'est comme ça qu'il faut pour les comptes là. Comme ça qu'il faut. J'ai fait ça, j'ai fait les selfies là et autres. Mais ils ne m'ont pas remis mes trucs. Bon, pour toi, c'est une page. Peut-être tu as la Non, chance c'est que pas ça la revienne. base, c'est un compte. C'est un compte. Oh, bébé là. En tout cas, il faudra chercher un informaticien si ça ne revient pas. Mais même jusque-là, mon fils a essayé ici jusqu'à. Rien. On a tamponné ton compte de compte. Donc. Tu sais que quand tu es en train de tamponner les gens,
Ils sont à la fenêtre. Tous ceux que tu fréquentes là sont à la fenêtre. Ils sont à la fenêtre. Donc, si quelqu'un n'est pas content de ce que tu dis, il va seulement te bloquer. Même Marthe, elle a été à la fenêtre. Mais bon, Marthe, je ne suis pas sûr qu'elle cherche à te bloquer. Parce qu'elle aime venir t'écouter. Elle aime venir t'écouter. C'est d'autres personnes qui t'ont bloqué. Mais il y a les commentaires dans le direct, non? Dans Tu le ne direct, vois il y a les commentaires. tu ne Non, Charles, mais. tu ne vois pas. Je sais pas. Je ne Regarde. regardais pas. Regarde. Fabouchi, Asie de Léon, big up, big up, Jose de Koua, big up, big up. Il faut aussi frapper le compte. Aka. Jose de Koua connaît ça. Jose de Koua ne sait pas faire ça. De Koua ne sait pas signaler. Même quand on dit que oh, de Koua signale les comptes, de Koua ne touche pas les comptes des gens parce qu'il dit que tout le monde a sa place sur Meta. Moi, sans vous mentir, de un, voilà, quand on dit les faux profils, je n'ai pas de faux profils. Quand je vais regarder, quand je vais aller regarder, tu comprends, non, les directs des autres, je prends un profil qui, ça dit, un Facebook qui ne m'appartient pas. Tu vois, non? Quelqu'un qui est sur Facebook, Jean qui avait son profil, ça va changer quoi de comme, ne fais pas ça. Non! Hey, Sylvie Tenier, tu sais très bien que moi, les délits, hein? Voilà, dit par exemple que même les têtes de mort, je ne mets pas les trucs comme ça. Donc, et c'est comme ça qu'on m'avait fait les pilules gratuites, hein? Je ne vous mens pas, hein? On m'avait dit de faire ça là. Si nous constatons que votre compte ne respecte pas nos standards de la communauté, voilà. Il sera définitivement désactivé et vous ne pourrez plus faire appel à la décision. Si nous constatons que votre compte respecte nos standards, voilà, de la communauté, vous pourrez réutiliser Facebook. L'examen de vos informations ne prend généralement pas plus d'une journée. Voilà, j'attends. Ouais. Donc, je vais attendre. Je sais que tu as. Bah oui. Tu sais, les gens qui passent tout le temps à dire que allez signaler, du quand même à signaler devant vous tous. Voilà, devant vous tous. Mais le problème, c'est que quoi, les vidéos qu'il avait, signalées, il est temps que de signaler. En même temps, je suis parti, supprimer. Vous connaissez les gens là. Ce sont les bad men, c'est-à-dire les pleureurs là. Ceux qui passent le temps à pleurer, ce sont eux alors. Je vous dis, il y a une différence entre les comptes et les pages. Les pages ont peut-être de la description. Moi, je suis tout le temps. Tu vois, ma page, elle est toujours restreinte tout le temps. Vous allez toujours voir, je suis toujours en train de demander à être examiné à chaque fois. Mais vous allez les voir là. Hein? Des pleureurs. Ma, tu as fini ton évangile? Hey, Matt. Non, non, non. Bon, fini alors. Je disais,
Je disais à Marie, je voudrais parler un peu à Marie, Mendy. Marie Mendy, j'espère que tu écoutes. Franchement, c'est décevant. Le problème de ton enfant, tu ne peux pas le régler sur les réseaux sociaux et tu le sais très bien. Ce n'est pas un problème d'enfant, bah. Non, je sais. Mais je dis, si c'est vraiment ça, c'est pas sur les réseaux qu'elle doit venir régler ce problème. Il faut Elle est qu'elle là, l'insulte, il faut qu'elle l'aille, parle elle est là, l'aise, parle pas, elle se folle, toi, t'as même mes images. Elle est passe au tout. courant de tout, partout où je suis, hein, dans Passe tout, elle est là, passe elle tout, est là. passe tout, passe tout. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Moi, je suis pas d'accord qu'elle aille parler histoires des enfants chez Épinglou. Épinglou même n'a pas d'enfants. Pourquoi elle m'allait parler des enfants chez Épinglou? M'a dit, tu vois, chez Épinglou, Épinglou n'a pas d'enfants. Comment tu peux aller parler des histoires d'enfants chez Épinglou? Pour aller parler des histoires d'enfants chez les gens qui ont les enfants. Et même, tu n'as pas besoin, ce n'est pas sur les réseaux que tu vas résoudre ce problème. Ce n'est pas sur les réseaux. Et tu sais très bien que ce n'est pas un problème d'enfant. Donc, laisse ce que tu es en train de faire là. Quand tu vas finir donc de le dégrader son image, tu auras encore besoin qu'il vienne jouer le rôle là, parce que moi je ne comprends pas. Tu vas dégrader son image. Si tu recherches quoi en Ouais, dégradant son image? j'ai Hein? trois empreintes, j'ai publié trois empreintes ce matin. Vous qui êtes avec moi, sachez que voilà mes trois empreintes. On reste au lac, Oha. Non, je ne comprends pas. Il faut qu'elle arrête ça, pardon. Tu vas chez les gens, tu vas chez. Pourquoi partir chez les gens et laisser que ces personnes-là fantonnent le marchand? Qui même d'abord? Et par l'autre, il n'a pas d'enfant. Tu vas là-bas faire quoi? Il n'a pas d'enfant, tu vas faire quoi là-bas? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, c'est pas bon. Il parle des voix. Ouais, mais même si elle pleure, ça. Est-ce qu'elle a besoin d'aller chez Panglo? Panglo, c'est qui, non? On le tient dans une. Oui. Et Panglo, c'est qui? Quand c'est Panglo, pense qu'il va faire quoi chez Panglo? Panglo, c'est qui? Il allait faire quoi à qui? Il peut faire quoi? Donc, tu vas donc chez lui. Il va donc parler. Ton problème sera toujours là. Ton problème ne sera pas résolu. Parce qu'ils vont seulement parler, vont seulement insulter. Mais ton problème ne sera pas résolu. Elle ose même aller menacer les gens. Ben En voilà. plus, tu amènes le nom de l'animatrice de Tribu. Ouais, maman. Elle sort sur toi. Tu vas lire le. Voilà. Il te dit Et ça. après, on va venir dire que oui, Elle de comment. Moi, sort j'ai sur dit, hein, toi. Matt, elle prononce le nom de quelqu'un. Framponnez, moi, je vous ai dit, Matt. Elle m'a dit le Matt. parce que c'est elle qui a Matt. parlé des noms des Matt. gens. Oui, Matt. il ça. Ne croyez pas que, quand je vous dis, avant de commencer, tu comprends, elle avait commencé là où elle était au foyer. Tu sais, les filles du foyer, là. C'est là-bas que tout commence souvent, non? Elle peut dans la nuit pour aller dans les bois des nuits des petites filles, là. C'est comme ça quand nous sommes arrivés ici, là, non? Et donc, son premier amoureux, tu comprends? Ma chère, Voilà. ne parle pas, non, ne raconte pas son histoire, ne Je parle pas de raconte, l'idée. je dis qu'elle S'il te avait plaît. allumé, je dis que dans la cuisine, elle a allumé, elle s'était cramée. OK? Je dis même quand vous voyez sa peau, c'est comme, voilà, la viande, oui, sur un grillade braisé. Hein? Elle est là. Tu crois que moi j'ai dit, moi je suis comme ça avec quelqu'un et tu cherches à me faire comme ça là, tu vas lire. Si, et je t'ai dit, je ne venais pas là-bas là pour toi. Quand on dit même 2 ans, je ne sais pas si on a passé le temps entre les 2 ans là, trois semaines.
J'essaie une fois, pendant les vacances, je suis venu, oui, une semaine, j'ai passé une semaine. Le reste, là, c'était quoi? Je viens le samedi, je rentre dimanche. Voilà. Arrête de mentir. Je ne venais pas. C'est pour ça que tu avais compris qu'il ne venait plus pour toi. Parce que non seulement tu avais commencé le mensonge. Hein, à plus de 3 mois de grossesse, tu ne dis pas au gars que tu es enceinte. Et non seulement quand le gars te voit, tu ne lui dis pas que tu es enceinte. C'est lui encore qui découvre que tu es enceinte. Comme ça que vous êtes. Vous vous arrachez les sangs des gens pour escroquer la CAF. Voilà. Vous refusez que même le Congolais. Mais la mère, pourquoi tu dis que je n'écoute jamais? J'écoute, je sais ce que je dis. Je dois dire quoi? Non, mais Marthe ne peut pas aussi me dire. Marthe ne peut pas aussi me dire. Comment tu dis que je ne comprends pas? Je comprends très bien. Je connais bien le problème. Je connais très bien le problème, la Marthe. Parce que, Marthe, quand je vous dis, il y en a. Je parle au cas de celui qui est à Paris. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est la même chose que celle-là a voulu me faire. Tu comprends? N'est-ce pas, j'étais venu ici là que. On disait ici là que 17 ans, je n'ai jamais mis pied, non? Mm-hmm. Hein? Tu crois que si je restais tranquille, hein? Je restais tranquille, toute la toile allait nous que oui. Oui, ah oui, allait croire voilà. Que. Allez croire voilà. Que tu en 17 ans, tu n'as jamais, tu t'es jamais... Voilà, tout le monde a pris ici, là. Bon, regardez, celui de Kimbo Jimbo, c'était mêlé pourquoi? Alors que Kimbo Jimbo était le premier que la dame était partie voir. Parce que comme j'étais avec Kimbo Jimbo, tu comprends? C'est parti voir Kimbo Jimbo. Kimbo Jimbo m'appelle, j'explique à Kimbo Jimbo. Et Kimbo Jimbo qui se m'a frappé, tu comprends non, Langa, que oui, tu comprends non, Kimbo Jimbo m'avait dit qu'il connaissait même beaucoup qui sont comme ça là. Et après, elle est partie voir Amekama dit, oh, un jour en direct, Amekama me dit que, voilà, de comme, il y a quelqu'un proche de toi qui est venu me voir pour que... Oui, elle veut que je t'enlève sur Facebook. Parce que ça, c'est pour que quitte Facebook. Hein. Tu sais, c'est ma première fois dans l'adultement que tout avait commencé. Et après, maintenant, boum, c'est du camel qui devait prendre, n'est-ce pas? Et après, maintenant, oui, la mère du camel était beau parce qu'il devait faire ses traits là le samedi. Et après, maintenant, boum, elle s'est retrouvée chez la veuve. Elle a commencé à dire là-bas là, que je n'ai pas de papier. Wow, 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 wow. C'est là où le direct dans l'homme qui fait mouche par la sous-préfecture, tu vois pas, non? Mm-hmm. Voilà, il n'est pas la sous-préfecture. Le direct que Flor monte alors, le direct l'avait fait mouche ici. Tu vois pas? Donc, après maintenant, quand Angela Ndela commence à dire que ça me yamou, ça passe Angela Ndela. Tu comprends? Ça n'a pas envoyé la photo. Tout ça là, on connaît. Moi, mon problème, c'est que vous faites la réflexion sur les réseaux. Écoute un peu la réflexion. Ça envoie la photo de l'enfant Angela Ndela. Angela Ndela m'appelle, me dit que oui, il y a une femme qui est venue me menacer que oui, que je suis son mec, le père de son enfant. Hein? Elle m'a envoyé la photo. Il dit que okay. Je ne faisais même pas allusion à elle. Il dit envoie-moi un peu la photo. Elle m'envoie la photo. Il dit que mais Langassi. Il dit que Matt, la dernière fois que je suis parti prendre l'enfant, hein, elle était à l'hôpital de Tok Tok et c'est sa fille aînée qui a m'appelé. Ce n'est pas que je suis en train de faire. Il dit quand tu n'y as qu'une gars dans la cuisine, allume le gaz. Tu comprends, non? Elle se crame. Mais tu vous parlais même de quoi? Hein? Ces vêtements, c'était des bandes. Je ne vous manque pas. Si vous voyez les photos, et vous voyez, elle vient là, bac, 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 bac. Mais mon ami, tu me fais, je te fais. Voilà. Va te balader ailleurs.
Ma mère nous a élevés toutes seules. Elle n'a pas aboyé sur tous les toits. Et puis, il y a plusieurs femmes dans cette situation hein, qui élèvent seules leurs enfants. Qui élèvent seules leurs enfants. Il faut qu'elle arrête un peu son bordel là. C'est de trop. Si elle a tellement mal, elle va saisir le juge. Et voilà. Elle va saisir le juge. La prochaine fois qu'elle revient encore, franchement, on va la récupérer. C'est pas bon ça. Elle va aller saisir le juge. Quand il y a que même les affaires avec le Congolais, c'est quand j'étais là que le Congolais, j'ai dit moi-même, j'ai plaidé pour qu'il reconnaisse ses affaires. Je te jure, à la cuisine, le monsieur là, même quand il avait réuni ses affaires, parce qu'il a les enfants dans toute la France, ils se sont retrouvés là-bas, il fallait voir comment ils coulaient les larmes devant moi. Hein? Elle-même ne voulait pas que le monsieur, la famille du monsieur, étant que de finir avec le monsieur, qu'il est venu abandonner les enfants. Hein? Mais on ne voulait mais pas. Elle met aussi la pression au monsieur comme ça. Mais c'est comme ça, mais oui. Elle met aussi la pression. Non, mais c'est fini depuis. J'ai dit qu'il ne voulait. Mais j'ai dit que quand j'ai parté là-bas, là, le monsieur là, n'entrait plus là-bas. N'entrait plus là-bas, là. Le monsieur partait, voilà, attendre ses enfants là-bas, là, chez son petit frère. Les femmes, comment tu peux. Comment tu viens, Lorraine. Bonsoir, Lorraine. Comment tu vas? Moi, je suis là. Parfois, je suis en bas, je regarde, je lis les commentaires. Parfois, je lis souvent. Moi, le commentaire. Je suis là. Matt, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, quand je vois, par exemple, je te mens pas, elle, dit, même quand, quand j'avais vu cette situation-là, je pouvais tourner mon dos. Tu comprends, non? Et n'aime même plus jamais de faire signe. Après, je m'étais dit, bon, voilà, je vais attendre, tu comprends, non? La naissance, parce que mes enfants ne s'ignorent pas. Tu comprends? Bon, et après, oui, je dis oui. Et je me mets à jouer mon rôle, tu comprends, non? Mais elle a voulu privilégier, tu comprends? Voilà, elle-même que l'enfant. Il dit que Junior était déjà bien avec son petit frère. Tu comprends? Je partais prendre. Elle voulait que votre relation continue. Mais oui. Ah, peut-être que lui n'a pas bien dit. Non, mais le problème c'est que quoi? Matt, tu sais parfois, moi je dis toujours, nous les hommes là, nous sommes comme des mongols. Ben oui, vous rentrez toujours derrière. Parfois, nous faisons des trucs, hein. C'est après l'acte que tu t'es mal recruté. Parfois, ben voilà. C'est toujours avec les bandes d'amis, tu comprends, non? Voilà, parce que tu vois aussi mon cause que oui. Hein, tu comprends? Parce qu'il y a souvent les hôtes, quand les autres sont en train de faire, ils se moquent un peu de toi, que toi, Attends, si tu veux prouver, voilà, tu veux prouver. Voilà, donc, non, mais je te manque pas un mal. Parfois, il y a des hommes, voilà, qui tombent dans ça parce que les histoires, mon coup, c'est ça. Ah, c'est un piège. L'engrenage. C'est un piège, hein. Ben oui, quand c'est un piège. Les garçons marchent en groupe, hein, vous allez voir, même le plus honnête, à un moment donné, si les autres font des bêtises, il va succomber. Même l'histoire de fumer, si un jour, il va goûter. Il ne vous manque pas. Oui, mais c'est vrai que c'est avec les amis qu'on fait des choses de quoi. Ah oui, et que mal. C'est avec les amis qu'on fait n'importe quoi. Mais ça, je ne la jette pas. Je ne gère pas. Je suis tout juste en train de dire, tu comprends? Moi, j'ai pitié. Tu comprends, non, Matt? J'ai pitié. Mais comme c'est comme ça, là,
Parce que moi, je sais que moi, je suis dans la vérité. Tu comprends? Tu ne peux pas venir dire que oui, tu as passé 2 ans avec une personne. Hein? Là, cette personne est laide, mouche, tout. Hein? Mais comment tu as pu faire 2 ans avec cette personne-là jusqu'à faire un enfant? Et elle pleure toujours. Et elle pleure toujours. Voilà. Maintenant, ça s'en prend même déjà au Yamsel. Je ne comprends pas. Elle fasse attention, elle va s'asseoir sur elle. Mon ami, ça a donné les ultimations, les ultimatums à Loulou. Je ne sais pas pourquoi. Elle est malade. Je ne sais même pas là où elle sort. C'est pour ça, c'est là où j'ai compris que donc, elle est toujours dans notre Facebook. Si elle suit tout, hein, elle parlait de toutes mes sorties, les sorties de, jusqu'à Cash Money. Non, mais Cash Money, mon frère, tu es là connu. Même quand tu parlais là, elle est là. Je sais qu'elle est là. Mais vu qu'elle a dit, elle a dit, quand j'ai payé le café ce matin, elle a dit, quand tu vas me cuisiner, mets beaucoup d'oignons. Tu comprends? Elle est toujours en train de dire que oui, j'avais demandé qu'elle vienne ici au Havre. Mais tellement, elle explique ça bien. Matt, regarde, tu sais quand je voulais, tu sais que Antoine Bassou avait payé pour qu'on supprime la vidéo de mon montage, de son montage là, non, sur mon fils. Oui. Parce qu'il était en train de bouffer le Ndjangui. Parce que comme il avait, il y a les gens dit que oui, de porter plainte. Donc Antoine Bassou, même sur YouTube, ça avait disparu. Tu comprends? Ah, mais il a payé qu'on fasse ça. Qu'on efface ça. Ben, c'est sûr. Ou alors, peut-être que c'est parti sur pied, je ne sais pas. Tu comprends? Eric, Marc, l'histoire-là, j'avais rigolé. Voilà. Marc, si tu vois le montage là, hein? Et Mandiata avait publié, tu sais, c'est la catégorie de montage que les bienfaiteurs, ça tombe sur ça. Obligés vont dire que oui. Tu comprends, non? On va te dire, tu comprends, non? Parce qu'il avait dit, il va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit autonome. Bacho, hein? Il s'est resté comme ça, il dit que yes, papa. Et ça n'avait même pas fait 2 semaines. Elle revient encore dans mon e-box. Elle vient me dire que oui. Elle quitte le monde. Elle dit qu'elle quitte le monde. Elle en a marre. Ah oui, Matt. Okay. Elle était venue me dire qu'elle quittait le monde. Et après, je réponds, je dis, mais va dire à Kessia, est-ce que Bachou n'obéit pas à ses déclarations? Pourquoi tu viens me dire que tu quittes le monde? Hein? Et à quoi entre toi et moi? Si c'est pour l'enfant, n'est-ce pas? Bachou a dit qu'il s'en occupait jusqu'à sorte qu'il va s'en occuper jusqu'à sorte qu'il soit autonome. Pourquoi venir encore m'embêter? Mate toi-même, quelle bête écologie! J'ai encore tous les messages. Hein. Elle me dit que après, elle me dit que oui, c'était un premier test. Tu comprends? Quand il avait dit que non, c'est à Bachou que tu dois aller dire que tu quittes le monde. Voilà. Elle me dit que c'est un premier test. Mais toi-même, il y a un peu. Hein? Ça va là-dedans. Moi, elle ne vous manque pas. C'est là où j'ai compris. Il va falloir que l'un de vous... Non, maintenant, c'est fini. Je ne suis même plus au courant. Ouais, depuis là, je ne suis plus au courant. Matt, toi, tu ne me connais même pas. Je ne suis plus au courant. Ça, c'est une vérité. De toutes les façons, de comment lui et Julien s'en va tout bientôt, il va se retrouver au pays. Voilà, tranquillement, tranquille. Je fais mes va et viens, je travaille 6 mois. Je passe 6 mois au pays. Attendez, suivez mon regard.
Matt, Elle ne veut pas se calmer. pourquoi, Elle pourquoi, continue. pourquoi, bon, pourquoi c'est seulement avec elle? Pourquoi donc les autres mères, hein, les autres mères ne peuvent pas aussi venir parler? Hein? Question. Voilà. Comme je suis tellement celui-là qui s'enfuit des enfants. Moi, je connais mon ami. De toutes les façons, vous vous voyez avec mon fils ici, là. Mes filles, alors, c'est la magie. Elles me gâtent alors. Parce que moi, dans ma tête, il ne faut pas qu'on les trompe, tu comprends? Alors, il ne faut pas qu'elles en manquent de quelque chose, tu comprends? Bien sûr. Et elles ont quand même cette chance-là qu'elles sont encore mieux. Mieux là où elles sont. Tu comprends, non? Avec les entrées qu'elles ont. Voilà, elles sont encore mieux que les comment on appelle ça là? Les salariés au pays. Quelle arrête parce que normalement elle doit arrêter, ça fait pas bon. Non, laisse. Elle croit peut-être que c'est en faisant ça que lui, elle va attirer l'attention des documents. Non, non. Ah, qui en allant chez Panglo? Partout, elle est passée. Je dis qu'elle est partie bagarrer avant là. Tu n'y as pas ça. Quand on changeait de foyer à Angélandela qui fait un duel qui dit de comment Mougou, s'il te plaît, je n'ai plus envie d'aller dans un foyer, viens me chercher. Mais mon ami, la bagarre avait commencé. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est bête. Elle dit à Angela que moi je viens te voir pour mes problèmes et toi tu dis qu'il vient te chercher comment? Charlie, un peu, mais la madre. Elle dit quoi? Lis. Attends. Un peu. Laisse alors, attends. Oui. Matt, tu n'écoutes jamais, je te dis. Attends. Pas ça, pas ça. L'autre. Ma personne compétente a livré Thierry, c'est sur ma page. C'est ça, non? Attends, je pars un peu sur lui. Laissez mon battu. Attends, j'ai ça alors que Thierry, Thierry t'aide tellement. Je sais que c'est quelle photo ici. Là, la marque. Non. Mais il y a un suivi tenir là. Attends. Yeah. Mais ici, là, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans lequel elle a mis? Sur quelle page? Elle a plusieurs pages. Dis-lui sur quelle page. Je te dis que. Wow. Je
Comment tu peux pas tirer un bon pénalty toi aussi? Qui ça? Non, je vois si. Non, c'est vivre abattu. Ici, je ne vois pas. Okay. Bon, bref, on verra ça demain. Elle dit où elle est en bleu. Bah, là, je ne vois pas là où elle est en bleu. C'est ça aussi validé tous ses comptes. Elle en a ses moments. Voilà, là, je suis tombé vite. Elle a publié ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les commentaires. Je ne sais pas si c'était la marque de t'a demandé d'aller regarder. Je ne sais pas. La marque de marque, c'est ça, ici. On ne voit pas. Mais ça, c'est sur la page de Marty. Non. Oui, mais la marque, je crois les commentaires là sont sur la page de Marty. Mais c'est où alors? C'est ça? C'est ça? Je croyais que c'était un autre truc. C'est le truc qui était sur Dolo. Écoutons un peu. Un reportage des hommes manipulateurs. Et il a tous les symptômes d'un manipulateur. Merci là-bas. Tu as fait tout autour de moi pour bien régner. Moi, je n'ai jamais caché. Divisé pour régner. Divisé pour régner. Merci là-bas. Parce que quand on voit avec Océane, c'est que c'est Océane qui veut gâter le mariage. En quoi? Quand on regarde Océane, on veut. Je veux dire gâter mon bonheur, que moi je suis une femme d'abord. Laissons même Océane de côté. Nous sommes la femme de ce panel-là. Quand tu as choisi ton sucre, ta copine m'a déjà dit que non, je ne vais pas faire le sucre là. C'est faux. Tu ne vas pas avoir ça te brûle, non? C'est faux. Alors? Non, je ne sais pas. Elle est partie, dit comment est-ce qu'elle a pris mon pyjama. Elle est sous-vêtement. Il est venu me dire que non, c'est faux. Tout ça s'est passé, c'est la girafe, elle a mis ça la girafe. Il a commencé à détester la girafe. Et je ne lui ai jamais dit qu'Océane m'a parlé de quelque chose ou qu'Océane m'a envoyé quelque chose. Jamais Dieu m'entend parler. Si je mens,
que le Seigneur me donne plus de recherche. Et c'est celui qu'au Cameroun, tout s'arrête. Il a ses imaginations parce que il a parce que un homme qui est connecté plus que nous. S'il ne veut pas prendre sa place, on ne va pas le respecter. Mais c'est ça. Il prend sa place, il y a beaucoup de personnes qui le respectent par rapport à moi. C'est ça le véritable problème. On t'a ouvert à une femme qui est influente. Je ne te comprends pas, mais il a une femme, malheureusement ou heureusement, qui est connue sur la place publique. C'est là qu'on peut faire la fois de faire attention. Tu peux essayer de jongler. Tous les hommes trompent, hein. Tu peux essayer de jongler, mais quand tu vois que ton histoire devient publique, tu enlèves ton pied. Tu enlèves ton pied, tu arrêtes l'histoire. Si tu tiens vraiment à ta femme, tu enlèves ton pied. Maintenant, si tu continues comme ça, c'est qu'au final, il y a un problème. Tu ne peux pas réclamer. Le respect ne se réclame pas. Ça te mérite. Comme tu as dit tout à l'heure, si tu veux que l'auditeur te respecte, tu te comportes en conséquence. Ne fais pas n'importe quoi et puis le manque de respect sort dedans et tu es le premier à te plaindre. Non, il y a un problème. Il nous dit que ça peut être OCM. Alors que moi-même, dans son téléphone, j'ai attrapé les choses. Moi-même. On a même un homme qui a dit de parler et qui fait la jalousie. J'ai fait ce problème là-bas, là, la femme de Julien là. Agnée. Alors que c'est elle qui m'avait dit, mais elle a nié ce jour-là. Dès qu'il a appelé, la femme de Julien, elle a nié. J'étais ridicule. Et le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, c'est témoin, c'est preuve que vous avez demandé. Même si ça danse, j'ai eu ce débat-là déjà. J'avais déjà eu ce débat-là. Où il y a eu, on a nié. Après qu'on a payé on appelle ça quoi? Le plan à on va continuer les hommes. Même quand une femme est une illettrée, le Seigneur lui donne quand même une intelligence du village. Ah oui, tu as c'est l'intelligence du village. Oui, je ne sais pas ce que. Il m'arrive. C'est bon. Moi, j'avais qu'elle m'a donné les hôtels, ne laisse pas qu'on lui manque de respect. Mais c'est l'homme le mandingue. Ah, babola. Mais j'ai envie de te dire que ça ne doit même pas devenir un combat entre vous toutes les deux. Mais Marisha, tu nous avais déjà dit depuis qu'il ne va nulle part avec elle, non? Je lui ai dit la même chose. Moi, maintenant, elle prend mon pyjama. Elle prend mon pyjama et mon sous-vêtement, mais c'est quoi avec? C'est ce que je lui dis à elle-même. Vous vous trompez d'adversaire, toutes les deux. Vous vous trompez. Sincèrement, à 100%. À quoi? Elle se trompe d'adversaire, ça c'est vrai. Gâteau le mariage. En quoi est-ce que Océane me dit ça? C'est Océane qui a laissé les voix. Tu sais. Excuse-moi, le pervers ne se reconnaît pas qu'il a un problème. Ah, c'est ça. Il veut mettre la faute. Au jour d'aujourd'hui, j'ai parlé à Bessy. Julien. J'ai dit à ma soeur, elle est la chienne. Demain, demain, ce sera toi. Si tu ne vas pas d'accord avec lui, ce sera toi le problème. Moi, j'appelle chien. Julien, là. Apparemment, il a dragué Tatiana. Il est parti. Lui et Julien se parlaient bien. Il va faire la jalousie parce que Julien a dragué Tatiana. Les deux se font les signes de jalousie. Oh, dis la vérité. Oh, il t'a fait des signes. Oh, quand il vient souvent, c'est toi qui le porte. Oh, c'est toi. Ils sont passés au Julien pour ça. Tu vis avec une femme dans la maison. Pourquoi tu as vécu tout le jour? Oui. Mais c'est un peu en train de faire que la jalousie avec toi. Oui, pourquoi? Tu veux expliquer ça comment? Voilà. Parce qu'elle était là. Ça s'explique pas. Est-ce que la femme de Julien n'est pas la sœur Océane? Est-ce que Océane a parlé de ça? Je suis parti parler Océane, elle a fait comme ça. Voilà. Vraiment, mon grand frère, c'est bon. Ça m'a énervé, ça m'a trop pensé. Le père que moi je vais taper. Moi je suis venu taper son ventre. Elle a fait ça comme ça ne l'intéressait pas. Parce que je croyais qu'elle était quelque chose. Elle n'était pas au courant. J'ai compris qu'elle était au courant. Si elle donne gâteau au mariage, aussi elle est au courant de ces deux choses que tu veux. Le mariage. C'est moi qui vais s'en utiliser. Pourquoi ne le dis pas? Moi, j'étais au courant de ces deux choses. Moi, j'ai dit un jour.
Quand je dis que je ne suis pas tout raconté à Thierry, ton homme est ton homme quand il est avec toi, quand il sort. Moi, je connaissais les choses sur lui-même qui ne me même pas te dire. Moi, si je t'ai dit un jour, quand j'avais commencé, tu partais me trahir, non? Et là, il ne faut pas qu'on cherche les pénitents. Vous qui dites que ce n'est pas fini que tu es rien, Gonza, venez aller écouter. Venez écouter le Congo, ça, quand vous parlez tout le jour, si vous ne me croyez pas. Voilà ça que vous m'avez en train d'expliquer. Moi, j'avais le sida. Bande de bâtards, comme ça, quand je parle, vous ne me croyez pas. J'ai ça, hein? Gros comme ça, hein? Non, là où elle est là, qu'est-ce que ça? Qu'elle a déjà porté ça. Si elle a accepté qu'elle a toujours joué le rôle de Tisa, comme ça que le John Nias avait qu'il y a quelqu'un de Sida, et puis après le cas Nias, c'est son problème. Non, il m'a problème. Mais toi-même, tu es des dames, non? Mais qu'on laisse Océane tranquille dans cette histoire. Océane n'a rien à voir là, des dames. Et je n'ai peur de personne. Océane n'a rien à voir dans cette histoire. Mimi, tu es témoin. Tu sais qu'on a parlé. Océane a parlé, parce que vous parlez, vous ne connaissez pas le fond de l'histoire. Mais maintenant, ce qui se passe là-dedans, là. L'autre jour, elle est venue parler. Écoutez, madame est tout dit. Tout discute, franchement. Tu as envie de parler de tout ça. On vous sensibilise depuis d'écouter dans ça. Mon bébé. On est là, appelé que je suis en train de diffuser. C'est ce qu'on a appelé un gosse, pour dire qu'on a fait, je suis en train de diffuser. La beauté, s'il vous plaît. Elle est partie, elle a disparu. Je l'avais bien déjà dit que l'histoire, si ça va rester sur ma tête. C'est fini. J'ai parlé, moi, je ne m'en pas cru ici là. Je ne parle pas ici comme ma page ici là. Oh, Dolo. Arrête ça, ils sont toujours ensemble. Voilà ça qu'elle a été détaillée sur ce site. On l'a appelé la fille. Voilà maintenant qu'on a dit que je suis en train de transmettre. Voilà ça. Pour attirer, parce que moi je sais que c'est ça les gens du rang. Et t'as fait jamais que tu dis bonjour. Jamais. Comment tu vas? Et les enfants vont comment? Jamais. Matt, finis les enfants. T'en vaut pas la peine. Ok? Voilà. Moi, non, Matt, disons-nous des vérités vivantes. Hein. Mm-hmm. Disons-nous des vérités vivantes. Parce que moi, quand je parle mes choses, ok, j'ai tué. Ah, tu as dit ça ici depuis. That's... Non, laisse, je répète encore. Je suis en train de prendre mon café ici un matin. C'est ma mère qui m'appelle. Ma mère me dit que s'il ne va pas avec ton frère, il dit Matt, tu laisses comme ça, elle dit que hier Benjamin, que s'il ne va pas comment. Moi, je croyais qu'il s'agissait d'un de mes petits frères. Il me dit Juan. Et moi, je vous dis toujours, le président de la Réunion, là où Michel Essemba avait gagné, si c'est les sous là, avait gagné, touché les sous. Tu comprends? Quand il était ici, quand il voulait manger des trucs comme le pain, tu comprends? Par exemple, quand la mère, comme la mère aime toujours, elle cuisine le pain avec le maïs, elle met au frigo, tu comprends? Ou alors la boue du pays. Après, je crois que c'était lui. Après, me dit que celui qui avait la fille Bassa, là, que vous êtes sur Facebook, c'est là où ça me revient un peu. C'est là où ma mère me dit que laisse-les. Et tu comprends? J'ai dit j'étais ici, assis là où je suis là. Après, ma mère me dit que c'est sa cousine qui a appelé tout le matin. Tu comprends? Voilà. Donc Thierry, que tu vois là. Et d'abord, la cousine de maman avait dit ça partie d'elle. J'avais compris que c'est une union de pacotille. Tu comprends? Parce que elle avait dit
Moi, je peux la framponner, mais de laisser Thierry en dehors de tout ça, là, tu comprends, non? Oui, elle aime pas la cousine, parle de lui. Pas ma mère, mais ma mère m'avait demandé, parce que ma mère, depuis, elle me dit de laisser, voilà, les mangiata, tu comprends? Thierry, vous-même, quand vous voyez Thierry, là, avec les remembers de Mangiata, sa vie, je vous ai dit, ils sont nombreux comme ça à Paris, dans les maisons des vieux pour qui ont, ça dit, qui ont roulé leur bouche ici, là, les jeunes, là. C'est comme ça. Et tu vas voir, il a comme ça, là, dans multiples villes, hein, partout, ils sont là à Paris. Il est avec toi. Il mange à Saint-Denis. Il mange à Malavalli. Tu sais que les passeports en commun, ça va vite, Matt. Toi-même, tout le cinéma que nous avons déjà vu là, il y a des gars qui ont framponné ici là pour sensibiliser qu'arrêter de souffrir. Elles étaient seulement là, baba. Vous allez voir, non? Le temps me donne toujours raison. Laissons encore, laissons. Pour le moment, j'attends. Donc, fini l'évangile, Matt. Oui, Macha. Ça me fait mal de voir les femmes se déchirer parce que un homme est au milieu. Et en plus de cela, moi, ce qui me gêne, c'est que Gosset connaît qu'il y a une autre personne, mais elle s'attend dessus, Tatiana. Moi, je ne comprends pas. C'est pas que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une autre personne? Pourquoi elle s'attend dessus, Tatiana? Il y avait déjà eu des vols ici là que tandis qu'il annonçait Thierry dans la chambre à Rouen, Thierry lui discutait d'autres femmes à Orléans. Mais pourquoi elle prend plutôt Tatiana comme sa cible et pourtant il y a d'autres personnes qui sont derrière? Ce sont les remords, Matt. Hein? Une seule peut t'aider comme ça et tu fais ça. Moi, j'avais toujours dit, au moins, si ils s'étaient connus dans la rue sans savoir qu'il y avait Tatiana au milieu de tout ça, tu comprends? Mmh. Je vais encore comprendre, mais à domicile. Ah, ça fait mal d'écouter ce que il y a monsieur Messan qui devait faire le direct, non? Je suis au courant, pasteur. Oui, là, c'est comme si j'ai vu ça où j'ai vu une copie, je ne sais pas si c'est une copie d'aujourd'hui. Je suis au courant, c'est que lui, il est très direct, tardif. Il aime trop le direct, tardif. Donc, fini alors, Matt, moi-même. En tout cas, je vais seulement dire, souhaiter à tout le monde un bon dimanche, parce que bientôt, là, c'est dimanche. Un bon dimanche à tous et une bonne soirée. Franchement, ne tombez pas dans ce genre de piège. Parce que ça, c'est un piège et c'est un engrenage. Vous n'allez jamais sortir de là. Quand ça commence, vous n'allez jamais sortir. Si tu vois que tu ne peux pas, sors de là vite fait. Sors de là. Pas les bagarres, il faut juste sortir de là. Quand tu commences les bagarres, tu vas jamais finir. Il faut sortir de là. Faut sortir de là. Tu laisses tomber. Avoue-même que tu es faible. Accepte que tu es faible. Tu donnes la passe à l'autre. Mais toi, quitte de là. Ne venez plus. Franchement, vous donner un spectacle avec ce genre de choses. C'est dégueulasse, en fait. C'est dégueulasse. Et puis, je dis encore, Mathé, sur ce coup-là, tu as vraiment fuck up. Tes insultes envers nous depuis là, que tu casses tout le monde, ça ne me faisait même pas autant mal. Mais ça là, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal de voir que tu es arrivé à ce niveau-là. Si tu étais une jeune fille, tu aurais compris que oui, tu as le vent en poupe, c'est le sang qui circule dans tes veines. Voilà donc alors le Thierry là qui a que de décevoir. Voilà donc alors le Thierry apparemment qui a que de décevoir le patronat. Donc, franchement,
Tu peux pas. C'est fou. Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais tout fait. Défends ta patronne, si tu veux, mais pas à ce niveau-là. Tu es une maman. Mais quand je regarde ton visage, tu dois même être déjà une grand-mère. Si tu avais accouché tôt, c'est que ta fille avait un enfant. Quand je regarde ta tête, la tête que moi j'ai vue là, qui est sortie là, tu dois être une grand-mère. Et tu ne dois pas agir ainsi. Tu devais être une grand-mère, mais sauf que tu n'as pas accouché tôt. Tu n'as pas accouché tôt. Donc le fait que tu n'accouches pas tôt, fait de toi, fais en sorte qu'on pense que tu sois jeune. Tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune pour faire ce que tu as fait là. Les petits jeunes minettes là, oui, je peux encore penser qu'elles peuvent le faire. Mais toi, une femme de ton âge, tu mets une vidéo d'une autre femme, la nudité d'une autre femme, non. C'est pas ça. Pour ramasser les malédictions, mais franchement, c'est abusé, quoi. Vous abusez. Vous n'allez même pas abuser de vous. Vous abusez. Vous abusez, franchement. C'est pas... Donc, Facebook commence même à me vexer. Parce qu'il y a trop de trucs qui m'énervent. Ça m'énerve. Je fais comme ça, je vais sortir là un jour. Je reste dans mon coin. Vous m'énervez. De voir ce genre de choses. Comment nous, les femmes, on peut faire ça? Il y a des femmes. En tout cas, pas tout. Oui. Je sais que moi mieux. Oui, à toi aussi. De toute façon, on se voit tout à l'heure. Demain. D'accord. De dimanche. Bonne soirée à tout le monde qui est OK. Et bon dimanche. Bonne soirée. Ils ont commencé à m'annoncer la couleur. N'est-ce pas? Annoncer la couleur. Donc, comme vous êtes là, vous venez là, yugu, de Komamogu, vous framponnez. Ben là, je n'ai jamais vu, moi-même si comme ça là, de Komamogu dit que ça peut faire un cabelle et vieux peau. Voilà. Oui, cette qualité de vieux peau qui a aussi ma vie. On a fait nos vies, voilà, maintenant, profiter nos derniers moments, hein, des petits tours, sable d'or, Adil de Bréa et consorts. Mais toi, tu te décides de prendre quelqu'un à peine arrivé. Le gars, il n'a même pas encore, voilà, son matricule. Tu viens, tu suis ça. La pape, la magie. Vous croyez que les gens viennent ici là pour venir assister? Hein? Tu as roulé ta bourse. Tu avais l'argent autant des camions. Tu prenais ça pour donner au président Pantalon Troué pour sponsoriser le fait. En que temps, on te tourne les boyaux, tu ris encore dans le ventre. On te tourne les boyaux. Le 17e, le 16e, le 15e, le 14e, le 13e, le 12e, le 11e, le 10e, jusqu'au 2e Paris. Voilà, tes boyaux ont souffert. Avec les cols blancs, les costumes de Barbès, de Clignancourt. Fallait les voir. Des cravates en coupe matière, des nœuds papillons en portefeuille dans des soirées. La pape compresseur, la pape. Et après, c'est Thierry qui va venir te nettoyer ces larmes-là. Pardon, allez vous soigner. À partir de compresseur,
nous tous nous comprenons que oui, il n'y a pas une différence entre une jeune fille et une vieille peau. Hein? Les mêmes demandes, à nos mamans, les beaux des beaux. Un beau des beaux. Tu as le doigt là. On ne sait pas là où le bout des bouts est. On vient te donner un pot de fleurs. Un pot. Je ne sais pas si c'était pour aller orner quelle maison. Je ne sais pas. Hein? Vous arrivez ici au Dabi Coco. Tu es assise avec la patronne. Le bout des bouts arrive là avec son ventre baptisé. Il vous. Et tu es toujours là. Hein? Mon mariage, franchement, quand on est bête, c'est pas possible. C'est-à-dire, compresseur, c'est la selenga, là, sur la toile, ces boyaux ont été tournés, Njoboam. Elle est arrivée ici, à l'époque. Le petit corps qu'elle avait là, comme l'étoile qui vient, était prisé pour les Mokala ici. Les Mokala, un Mokala, hein, pouvait prendre, c'est-à-dire, un crédit même de 500 000 euros était donné. Rien qu'avec le corps, la compresseur a pris ça, ça a donné au pantalon troué. Le pantalon troué lui-même, il est devenu, il mangeait chez les grains chapuis. Hein, il aime les rissons. Voilà. Les jeans que, quand il avait encore un peu, Versace, le gars pas mangé les rissons, le gars écarte les jambes au canapé, voilà. La vie ici. Les gens, je vous ai toujours dit, hein, si vous recevez 100 à la fin du mois, mangez 70 avec les gens, je ne sais pas, que vous voulez manger, hein, gardez 30, on ne sait jamais. La nature peut te donner longue vie. Regardez Mandiata. Et je ne comprends pas les gens qui étaient les anciens de Facebook. Quand ils partaient sur TikTok, hein, et quoi qu'ils sont, ils sont cachés que nous, ici, là, sur Facebook, on ne va pas être au courant. Voilà. Compresseur. Il faut voir là où elle est assise là-bas, au pays, le canapé. Mais mon ami, tu ne peux pas t'adoucir comme ça. Là. Ton dos est tout droit comme ça, là, comme les sièges des les conducteurs des boumiers. C'est-à-dire, et la nuque de compression est toujours, c'est-à-dire, en contact direct avec les planches. Voilà, j'ai fini avec celui, sa girouette là, du Maroc, qui est parti aux États-Unis. Lui aussi me lance, il y a les défis du travail et de ceci. J'ai fini avec. Le gars allumait un direct pour parler au Gabonais quand l'arrivage arrive, les Guta Jambono. Il y avait la photo d'Amiri Jambono, les Guta Jambono. Je suis venu, un commentaire. Le gars est blessé comme cela parce que quand il a dit, mais la baisse, mais que si, hein? J'ai dit, la baisse, mais que si, hein? Tu étais né noir comme un fusil. Mais que si, hein? Tu as déjà les lèvres, les dents, les cheveux, tout couleur grenadine. Ça commence. Mais j'aime. Je... Tout le monde, j'ai fini avec la baisse à moi, je dis, j'arrive, il dit qu'il danse. Il appelle les Gabonais au secours car lui, l'arrivée de Guta Jambon arrive, Amiri Jambono. Je suis arrivé, il dit que mais, le moribond si, hein, toi tu n'as jamais la même couleur, tu étais né noir comme un fusil. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ta langue, couleur grenadine, tes dents, couleur grenadine, tes lèvres, couleur grenadine, tes gencives, les cheveux, même les ongles. Il y a la baisse à mes laisse, c'est le filtre. Laisse. Même Pepetu Maléba, hein? Parfois on voit ses phalanges. Oui, quand elle met la lumière, les lampadaires sont allumés,
Elle m'a encore vu que là, on voit les phalanges. Ayez pitié de vous-même. L'abbé Sabin, je t'ai posé une question. Pour le moment, on s'occupe de toi. Tu comprends? Voilà, on s'occupe de toi, tu ne payes rien. Bon, dis-moi un peu. Je t'avais donné un conseil le jour que j'avais appris que tu es arrivé aux États-Unis. Après, les gens sont venus me dire que je suis méchant, il ne fallait pas dire ça. Bon, je te repose la question, comme dans ton direct, je t'ai posé la question. Est-ce que les médecins du monde qui s'occupent de toi là, hein, est-ce que tu as eu le courage de te courber et baisser ton floc pour les montrer ton élan? Parce que sinon, hein, ne crois pas parce que tu as changé si c'est de continent ou bien de pays, hein, tu peux être encore plus pire là-bas aux États-Unis. Et ne crois pas que là où tu loges là, à un moment de ça, un temps, on a dit, parce que la baisse, ça met toi-même. Il faut que tu donnes un peu ta tasse. Tom, regarde-toi un peu. Tout. C'est-à-dire, déjà, quand tu entrais dans le Belin, tout était déjà fou. Tu étais déjà fou. Je te mens pas. Même avant que le diamant. Tu comprends, non? Le Ndjeme qui t'avait produit. Et je te dis, la baisse sa mère, ce sont les Mnyalak qui t'ont produit. Tu sais pourquoi je te dis ça? Regarde. Vous aimez toujours dire que vous avez des familles, ceci, regarde. Tu es au monastère pour devenir prêtre. Est-ce que tu ne sais pas que tu en fais partie des gens qu'on dit que, oui, même dans les monastères là, les bilans souffrent. Hein? L'abbé Samin, tu étais né noir comme un fusil. Comme un fusil. Hein? Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi. Mais ton ilan est noir. Hein? Ton ilan est noir. Oui, oui. L'abbé Samin, les narines coulent H24 comme un mouton. On ne sait pas quelle maladie que tu as. La tante est là-bas, là. Ben là. Et vous croyez que Thierry va venir là. Et Thierry n'est pas venu ici là pour assister. Voilà. Dis à ta tante d'aller, voilà, là où elle se faisait tourner. Elle me rend un peu de partout là. Qu'elle parte chercher. Thierry. Voilà. Tu crois que qui ne veut pas goûter les stars là? Hein? Comme les hommes veulent goûter. Voilà. C'est un gars qui s'exprime là sur la toile. C'est comme ça aussi. Certains hommes. Ok? Ou alors femmes veulent aussi goûter. Et là, mon mariage, Vanessa, Vanessa, la honte de ça, on voit qu'on peut sortir, tu pleures sur TikTok, tes soeurs t'ont sensibilisé ici, et voilà, donc alors la merde, lumière, gloire, bigo, lumière, gloire, tu rigoles seulement, c'est la magie, Thierry ira avec Mandia Tabou, hein? Vous-même. Et que y avait. Hein? Mandiata, si elle avait été intelligente, quand elle était commode de l'hôpital après Achib Dikolo, elle cherchait un vieux Mokala comme beaucoup de Waka. Il y a beaucoup de Waka. Elles ont Waka. Elles ont cherché, elles ont pris un client. Ok, qui les proposait toujours, voilà le mariage. Tac. Voilà le soubassement. Mais Mandiata, elle veut les noirs à y tirer. Bonne nuit. Adimte.